Coucou Piment Rouge. Coucou Carla Max. Piment rouge. Piment rouge. Connectez-vous et partagez le direct. Et... Nous allons décrypter influenceuse et blogueuse d'État. Pourquoi? Connectez-vous et partagez le direct. Je vais vous dire pourquoi je dois décrypter ce live. Il faut qu'elle se rende compte des bêtises qu'elle est en train de faire. Coucou Jackie Chen. Il faut que la veuve se rende compte des bêtises qu'elle est en train de commettre. Parce que je pense que si les mamans là n'ont pas le temps de décrypter ses lives et de lui montrer à quel point elle est ridicule, je pense qu'il faut bien qu'une personne de cette génération le fasse. Pourquoi pas dans l'émission Actualité de la Toile, l'émission de l'heure, l'émission qui fait parler, l'émission de la vérité. Alors moi j'ai décidé à présent de commencer à décrypter les lives de la veuve Foufou, alias influenceuse et blogueuse d'État. Voilà, parce que à force de l'ignorer, elle devient encore plus zinzin. C'est-à-dire qu'elle ment de jour en jour. Elle passe son temps en mentir sur les gens. Elle ment sur les gens n'importe comment. Elle se lève un matin, elle invente des mensonges sur la vie des gens. En se faisant passer pour une veuve, pour une démunie, pour une que sa tête ne tient pas. Alors moi, je ne supporte pas la bêtise. D'accord? On peut bien faire vu et ignorer. À un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. Il faut bien que quelqu'un lui montre qu'elle est en train de commettre une bêtise. Alors, je vous invite de partager massivement et d'inviter la veuve joyeuse qu'elle vient poser ses fesses ici et qu'elle écoute le décryptage. Je vais lui rappeler que la vidéo que tu as faite à mon encontre, elle est téléchargée et elle est gardée au frais. D'accord? Je vais te montrer que on ne s'attarde pas au gagne-pain des gens. Je commence déjà à t'avertir. Il fallait m'insulter. Il fallait faire tout ce que tu devais faire. Mais là où tu es parti là, négocier, tu vas confirmer le code. Et dès à présent, je suis à tes trousses. Je vais décrypter tous tes lives. C'est de ça qu'il s'agit. Tous tes lives, veuve joyeuse. Je vais te montrer que tu as commencé à devenir folle. Merci le Métis FDL. Merci mon cœur. Si les gens de ton village te soutiennent, ils ne veulent pas te montrer ta bêtise. Moi, je vais te montrer ta bêtise. Je ne suis pas tribaliste, mais à un moment donné, même si c'est quelqu'un de mon village qui fait du mal, qui est en train de déguerpir, un être humain ne peut pas se placer. Elle insulte les cadavres des gens. Elle insulte le travail des gens.
Elle invente des mensonges sur les sociétés des gens. Elle cherche à détruire l'image des gens. Et puis on va la regarder disant que non, c'est une veuve. Elle fume. Elle fume plus que les qui. Moi-même, si je peux. Coucou, aïe, Christiane. Mais apparemment, elle est en cellule. Jackie Chen. Je ne veux même pas savoir. Je vais commencer à décrypter ses lives pour qu'elle comprenne à quelle mesure elle est méchante. Foufou, tu vas comprendre à quel point tu es méchante et que tu délires dans ton cerveau. Ta méchanceté a débordé, c'est-à-dire que ça a traversé les océans. La veuve. Tu es devenue aigrie, méchante, sale, jalouse. On se demande qu'est-ce qui te pousse à tomber dans ce genre de dépression. Partagez le live, mes doudous. Partagez le live. On va commencer à te parler sincèrement. Parce que moi, je ne supporte plus. Franchement, je ne supporte plus cette racaille. Influenceuse et blogueuse d'État, c'est une femme. C'est une Camerounaise qui a décidé de s'en aller vers l'aventure, afin de pouvoir se chercher et revenir aider ses parents. Au départ, quand elle parlait, on se disait non, elle est dans la dépression, elle a perdu son mari, nanani nanana. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nous constatons que cette veuve joyeuse veut absolument la tête de quelqu'un sur la toile. Nous ne voulons pas savoir la tête de qui elle veut. Nous comprenons juste que elle veut la tête de tout le monde sur son plateau. C'est-à-dire que elle veut le malheur de tout le monde. Influenceuse blogueuse d'État. C'est une femme très méchante qui a décidé de faire son blog en détruisant les gens. C'est une femme, c'est une veuve que son mari est mort. La famille de son mari a décidé de ne rien lui léguer parce qu'elle était méchante. C'est une femme qui passe ses journées à se droguer, à fumer le ndepa, à tirer le coup en direct pour prendre la force et le courage pour détruire les gens. Influenceuse et blogueuse de ta. De ta. C'est une mère célibataire qui passe son temps à se suyer sur les réseaux sociaux, danser nue sur les réseaux sociaux. Nous avons découvert dernièrement sa cuisine. Sa cuisine était pleine d'asticots, de gros asticots. Pourtant, c'est une cuisinière qui vend la nourriture. Influenceuse et blogueuse de ta. C'est une femme qui vit en Europe. La plus sale des blogueuses de cette toile. La plus sale des cuisinières que je n'ai jamais connue. C'est elle, influenceuse blogueuse d'État. Celle-là même qui invente des mensonges tous les jours sur les gens, sans raison. C'est-à-dire... Elle n'est pas encore là, monsieur. C'est-à-dire que elle peut se lever un matin, elle est foirée. Ou alors sa page est restreinte. Elle décide de s'en prendre à tout le monde. Et personne ne dit rien. On lui regarde faire. On dit non, on ne doit pas parler. Parce que c'est une veuve. Et parce que non, elle est fragile. Non, parce qu'elle fume. Ça doit être là. Mettez les cœurs, mes doudous. Mettez les cœurs. Vous voyez comment ils sont allés en train de signaler. Mettez les cœurs.
Elle est en prison. Ah, si elle est en prison, est-ce que ça va vous étonner? Si elle l'a, elle est en prison, ça va vous étonner. Moi, ça ne m'étonne pas. Oui, moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'elle cherche les problèmes. Oui, elle cherche énormément de problèmes. C'est-à-dire, même si elle est en prison, on ne saura même pas qui lui a mis en prison. Et moi, personnellement, ça ne va pas m'étonner. Parce qu'elle fouille les problèmes avec la torche. Influenceuse et blogueuse d'État, c'est une femme qui prépare avec les asticots. Elle est accompagnée des asticots dans sa cuisine. La preuve en elle, nous avons découvert ses marmites pleines de ngrimba. Nous avons découvert sa cuisine sale, pleine d'asticots. Une femme qui prépare, qui reçoit, qui fait le nganda. Illégal en Europe, mais qui est sale. C'est-à-dire que quand tu manges sa nourriture, il y a toujours un asticot dans sa nourriture que tu vas avaler. Checker sur c'est ça. Donc vous tous qui avez à manger la nourriture de cette veuve influenceuse-là, vous avez déjà mangé les asticots. Parce que cette femme est tellement méchante que elle peut faire à manger en vous servant, elle met les asticots dedans. Exprès. Elle tourne ça à l'intérieur. Elle vous fait souvent ça et vous dit ça. Oh. La veuve vous fait souvent à manger avec les asticots. Dans la mamie de Kokambala. La mamie de Kokambala, c'est sa mamie qui fait le ngrimba avec. Cette mamie, elle a mis les écorces dedans. Elle a mis de l'eau à l'intérieur. Quand elle fait à manger, elle ramasse un peu d'eau dans sa mamie de ngrimba. Elle verse dans la nourriture. Avec les asticots à l'intérieur. Alors. Si vous êtes quelqu'un de normal, plus jamais, ne mettez plus jamais les pieds chez cette femme folle. Parce que déjà, elle n'est même pas normale. Elle se drogue. Vous vous imaginez quelqu'un qui se drogue, qui n'est pas propre, qui est sale dans tous ses sens. Quelqu'un qu'on soupçonne même qu'elle a kilomé son mari. Vous partez, vous portez vos pieds kounia kounia. Vous partez vous asseoir pour manger chez elle. Qu'elle va préparer quoi de bon pour vous donner? La veuve influenceuse d'État. C'est une gars qui peut te chou le poison. Tu manges, c'est-à-dire que tu manges, elle a l'appétit de te regarder manger. La veuve, c'est une gars qui kilame avec les yeux ouverts. Cette femme est méchante. Elle fait semblant d'être étourdie. Pourtant, elle sait très bien ce qu'elle fait. Si elle était étourdie, d'où vient la mamie de Grima? Elle a toujours pris nos noms, tourné dedans. Tourner dans la mamie, tourner, mais ça n'a rien donné. Quand vous venez la rendre visite, elle prend vos noms, elle tourne dans la mamie. Partez de vous là-bas, hein? Continuez d'aller manger les asticots. Elle tourne vos noms dans la mamie. Partagez le live, mes doudous. Partagez le live. Pardon, allez-y. Appelez-la, appelez. Non, elle connaît. Non, je dis, ton quand je te regarde, là, je crois que j'ai un truc. Des fous comme ça. Donc, partagez. Mais je parle quoi? Il n'y a même pas. Vous avez même partagé. Vous avez même combien même? Je suis là, il parle quoi? Quand on dénonce une racaille comme ça, la partagez. Aïe. Quand on dénonce la poubelle, partagez pour qu'on puisse dénoncer, pour que les gens comprennent. Hmm? Partagez le live. Nous, 94, je parle devant 94. Quand je dénonce une poubelle qui passe son temps à empoisonner la vie des gens, vous êtes seulement 94. Combien de partages? Mince. 51 partages, pas comment?
dénonce une femme qui empoisonne les Camerounais en Europe. Vous ne partagez pas. Donc vous voulez qu'on vous laisse vous mourir là-bas. Nous sommes déjà 100. Si chacun partage dans 3 groupes, ça fait 300 partages. Nous sommes tranquilles. Coucou Mimi Rose. Nous sommes tranquilles. Notre émission Actualité de la Toile, c'est pour dénoncer les personnes qui peuvent nuire à la santé humaine. Alors, je vais continuer. Nous sommes 100, donc ça me motive déjà. Mais si vous mettez les étoiles en même temps, ça va encore bien me motiver. Si vous mettez les étoiles, ça va encore bien me motiver. Si vous mettez assez de cœur, si vous êtes content de cette émission, pompez assez de cœur. Les cœurs, maximum de cœurs. La veuve influenceuse d'État, c'est une femme qui se fait passer pour une dépressive. C'est-à-dire qu'elle se fait passer pour une veuve qui est tellement malheureuse qu'on ne doit pas, non, tout ce qu'elle fait, on doit accepter. On ne doit rien dire, non, sinon elle va se fâcher, elle va crier sur nous. Mais moi, la lionne, j'ai pas peur. J'ai pas peur de cette femme. Je l'écrase quand je veux. Je l'émiette quand je veux. Cette femme passe son temps à empoisonner les Camerounais dans sa cuisine. La veuve ne peut pas préparer sans mettre un asticot dans la marmite. Soyez-en sûrs. Vous là qui partez manger chez la veuve, sachez qu'elle ne peut pas cuisiner sans mettre un asticot. Tu n'as jamais mangé chez la veuve sans manger l'asticot. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? C'est-à-dire, je répète, toutes les réceptions que la veuve fait, il y a toujours un asticot dans chaque repas. La lionne ment. La lionne a déjà menti sur la toile un jour. Si je mens, allez sortir. Je vais vous poser, vous mes followers, envoyez-moi les remembers où on a trouvé sa cuisine avec plein d'asticots dedans. Je vais poster et je vais vous montrer que je ne mens jamais. La veuve, vous, c'est-à-dire qu'elle vous empoisonne en riant. Nous avons vu comment on l'a invité au Cameroun. On a bien voulu valoriser les blogueurs de la diaspora. On a invité cette femme au Cameroun. Elle a voulu empoisonner les gens dans les hôtels. Elle a voulu salir le pays. C'est toujours elle qui marchait sans caleçon partout jusqu'à ce qu'on l'a rapatriée. En caleçon, elle est partie. C'est-à-dire qu'on lui a pêché. On a dit qu'on n'a jamais vu ce genre de poison lent dans notre pays. On a pêché cette poubelle. On lui a repêché, lancé dans l'avion comme la poubelle, comme Isaac. C'est-à-dire comme la poubelle qu'on jette dans le camion Isaac. On lui a jeté. Elle a atterri là-bas à Paris. Parce que ce n'est que là-bas que vous pouvez recevoir et traiter ce genre de cas. Nous, ici au Cameroun, on se respecte. On ne conçoit pas la poubelle. Nous, on ne conçoit pas les dépressifs. Parce que chez nous, toutes les veuves travaillent. Toutes les veuves vendent les beignets haricots pour aider leurs enfants. Les veuves sont sacrées chez nous, les Bantous. Nous, on n'a jamais vu une veuve qui passe son temps à empoisonner les gens avec les asticots. Chez elle. Coucou ma chouchou pour Amafou. Elle passe son temps à préparer des nourritures avec de l'eau sale. De l'eau salée avec du sel, soit de mer, soit de ngrimba, avec des écorces. Merci Mimi Rose pour les étoiles. Merci de soutenir l'émission. Merci beaucoup ma tata. Voilà, les donateurs de l'émission sont là. Oh, merci ma sunshine d'amour. On va dire la vérité et rien que la vérité. Je n'invente rien. Vous avez vu. Vous avez vu. Cette femme, personne n'est jamais allé chez elle
rentrer comme ça là, sans qu'elle ne l'insulte. Personne ne l'a jamais invitée. Elle est rentrée, restée calme. Elle est toujours en train d'insulter les gens, inventer les mensonges sur la vie des gens. Créer des polémiques à deux balles sur la vie des gens. Pourtant, c'est une sale femme qui passe son temps à cuisiner avec les asticots. Mais nous, on ne parle pas. On considère que c'est une veuve, on a pitié d'elle. Cette femme, c'est une veuve. Comment est-ce que ton mari est décédé? Comment est-ce que le mari de la veuve est décédé? Nous voulons savoir. Avec les rumeurs qui me sont parvenues et que elle-même elle a parlé en direct, son mari avait l'héritage. Pourquoi sa belle famille n'a pas accepté lui donner l'héritage? Parce que sa belle famille la soupçonnait d'avoir kidnappé son mari. Vous voyez une femme que son mari est mort bizarrement. Son mari est mort étouffé. Étouffé, c'est-à-dire que on a constaté que on est étouffé. Elle était seule chez elle avec son mari. Son mari est mort étouffé. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, non? On signale le direct. Vous ne voyez pas que ça bug un peu. Pompez les cœurs, mes doudous. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On peut continuer si vous ne protégez pas le live. Pompez les cœurs, pompez assez d'étoiles pour que le live soit protégé. Vous le connaissez, Foufou. Elle va venir signaler la page ici. Je prends seulement le risque avant de parler d'elle. Elle va signaler ma page, je le sais. Partagez et mettez assez de cœur. Nous sommes près de 142 personnes. Partagez dans un groupe ou dans deux groupes, ça fait l'affaire. Veuve Foufou, c'est une femme que les blogueuses de la toile ont passé le temps à transpirer pour qu'elle sorte de la dépression. Et nous ne savons même pas pourquoi elle est dans la dépression. Si ce n'est pas parce qu'elle a kidnappé son mari et que son âme est en train de la hanter, pourquoi est-ce que cette femme qui a un logement social en Europe, qui bénéficie des gratuités de l'Europe, tombe en dépression? Nous ne comprenons pas. Avec tout l'amour que les Camerounais la portent, elle parvient quand même à tomber dans la dépression. Ça veut dire que il y a quelque chose qu'elle a fait dans sa vie qui est en train de la tourmenter. Et elle n'arrête pas de faire du mal aux gens. Nous avons constaté que quand quelqu'un a les problèmes avec cette femme de veuve influenceuse, blogueuse, de tas, la personne meurt après avoir discuté avec elle. C'est une femme qui passe son temps à kidnapper les gens. C'est-à-dire que quand elle prépare à manger chez elle, dans son Ghana, elle met des petits poisons que vous mangez. Coucou, mamamou. Moumoumou. Flokungan. Son temps à cuisiner, elle met des petits poisons, des petits charmes qui vont que quand elle va vous insulter, vous n'allez pas répondre. Pourquoi moi je viens vous renchérir par rapport à cette femme? Parce que moi je n'ai jamais mangé sa nourriture. Elle est bloquée. Attendez, je vais activer mon compte et puis je bloque les bêtises. Voilà. Quand elle empoisonne les gens, vous ne pouvez pas venir dénoncer. Hein? Quand elle empoisonne les gens avec sa nourriture asticotée,
sa nourriture pleine d'asticots, vous ne pouvez pas venir dénoncer. Depuis quand une femme qui fait le restaurant doit avoir les asticots en bas de sa cuisine? Depuis quand une femme qui fait la nourriture pour vendre doit avoir une marmite pleine de ngrimba avec les écorces, les eaux de mer qu'elle rapporte quand elle vient du Cameroun chez ses sorciers? Depuis quand on doit découvrir ça chez une femme qui fait le restaurant? Vous pouvez me renchérir? Vous parlez de quoi? On ne doit pas dénoncer? On ne doit pas dénoncer ces bêtises? Non, parlons peu, parlons vrai. Depuis quand une femme qui fait le restaurant doit avoir les asticots en bas de sa cuisine? Vous-même, quand vous partez manger chez la veuve là, vous mangez quoi? Qu'est-ce que vous partez manger sur une femme qui passe son temps à faire des incantations? On dit incantation, c'est incant. Qui passe son temps à pratiquer devant vous? Hein? Vous-même qui partez manger chez la veuve là, vous avez le cœur du mouma. Vous avez le cœur, c'est-à-dire que votre cœur est large comme ça. J'espère que vous avez le contre-poison. Parce que son poison ne tue pas maintenant. Hein. Le poison de la veuve ne tue pas là, 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 là. Tu manges, tu peux mourir doucement. Tu peux t'asseoir chez toi, tu meurs doucement, doucement. C'est-à-dire, elle te lance une maladie que tu pars, tu meurs à petit feu. Même dans un an, si tu as mangé chez la veuve et que tu meurs dans un an, c'est elle. C'est la veuve. C'est elle qui quillame les gens à petit feu. C'est elle qui quillame à petit feu. Une femme qui passe son temps à inventer les mensonges sur les vies des gens. Vous ne voulez pas qu'on vienne la dénoncer parce qu'elle est qui? Elle est qui? La veuve. Où est passé ton mari? Ton mari est passé où? Elle passait son temps à cuisiner, mettre l'acide dans la nourriture de son mari pour lui donner. Pour qu'il mange, il meurt à petit feu. La veuve, ton mari est où? Qui a quillamé ton mari? Viens nous dire qui a quillamé ton mari. Bring back ton mari. Ton mari est mort, étouffé, intoxiqué. Qui a intoxiqué ton mari? Qui a étouffé ton mari? Vu que c'est toi seul qui étais enfermé dans la maison avec ton mari. Avec tes allus là, lorsqu'on te regarde et on entend que ton mari est mort étouffé et intoxiqué, on comprend tout simplement que c'est toi qui avais pris l'oreiller. Tu vas nous remettre ton mari. Tu vas nous dire où ton mari est passé. Foufou. Veuve et fianceuse de ta. De ta. Tu vas nous dire là où ton mari était passé. Qui a étouffé ton mari? Qui a intoxiqué ton mari quand il dormait? Quand il mangeait, qui lui donnait la nourriture? Veuve et fianceuse de ta. J'ai dit de ta. Qui avait quillamé ton mari? Tu vas nous dire ou pas? En tout cas,
Les informations qui me sont parvenues, son mari est mort étouffé et intoxiqué. Et la seule qui était avec son mari, c'est elle-même. Ça veut dire que tu as voulu, c'est-à-dire que tu as voulu tout masquer sur la toile, mais nous, on ne comprend pas ton comportement, que tu as killé ton mari. Tu as fini avec ton mari. Bring back ton mari. Tu vas nous remettre ton mari. C'est le dos de ça qui t'attrape. C'est la malchance de ça qui fait en sorte que tu deviennes dépressif. Oui. Tu crois que tu es quoi? Tu crois que tu es quoi? Tu crois que tu n'as... Tu as les morts dans ton placard. Tu as killé quelqu'un. Tu as mis les morts dans ton placard et tu viens nous provoquer. Tu viens nous insulter. Tu inventes les mensonges dans nos vies. Hein? Une femme que chez elle, il n'y a pas le robinet. Elle prépare qu'avec les urines. Elle prépare avec les urines. Et elle ne met pas l'eau dans sa nourriture. Moi, je vous dis, elle ne met pas l'eau dans sa nourriture. La femme-là ne met pas l'eau dans sa nourriture. L'eau qu'elle met dans sa nourriture, ce sont les urines. Elle ne met pas d'eau dans sa nourriture. Donc, vous qui mangez chez elle, sachez que quand vous mangez chez la veuve, vous mangez les urines. Quand tu peux pisser dans ses toilettes, elle ramasse tes urines, elle garde. Après, elle part rajouter dans la mamie de magie. Sa mamie qu'elle a tournée, la mamie de Kokambala. Qu'elle a tourné tous vos urines et vos selles, vos sangs. Quand tu saignes, tu arrives chez la veuve. La garniture que tu enlèves pour jeter à la poubelle. Quand tu pars, la veuve récupère ta garniture. Elle part mettre dans sa mamie, elle extrait ton sang. Elle tourne dans sa mamie. Quand elle prépare, elle verse dans la mamie des gens qui mangent. Oh. Elle m'a encore dit de me prononcer un jour, tu vas fuir. Et ce que je dis, c'est vrai, curieusement. Ce que moi j'ai dit, c'est vrai. On a trouvé une mamie chez la veuve avec les garnitures des gens dedans. On ne sait pas qui. Peut-être ça peut être toi qui me regardes. Toi qui allais manger chez elle. Peut-être ça peut être tes garnitures. La mamie était pleine d'urine. Où c'était vos urinaux? Où c'était pour qui? Je ne mens pas. Allez vérifier. Si je mens. On a vu sa mamie ici, non? Avec les garnitures dedans, non? Avec les grimba dedans, non? Et c'est ment. Si je mens, écrivez en commentaire qu'elle ment. Ce n'est pas sa mamie qu'on avait trouvé avec les bacelles de mer, les bas écosso, les bas ganitio, les caleçons des gens dans la mamite. Vous avez encore le courage d'aller vous asseoir chez elle et manger sa nourriture. Une vieille sorcière qui a été rejetée par son peuple. On l'a pris, on l'a jetée comme ça en Europe. Vous partez encore vous asseoir chez cette vipère, une vampire sorcière, pour manger sa nourriture. Vous avez le cœur. Je vous donne le tchakap. Je vous donne le chapeau. Je vous donne le chapeau. Elle passe à soi, elle invente les mensonges sur moi. Elle invente les saletés sur moi. Ne venez pas ici avec les sentiments, Tony Donia. Ne venez pas avec les sentiments ici. Cette femme, elle exagère. Elle exagère. Tu as suivi ce qu'elle a dit de moi. Tu as suivi les mensonges qu'elle a inventés de moi. Une femme que je fuis depuis. Nous avons vu
Elle se moquait des cadavres ici sur la toile. Quelqu'un meurt, elle allume sa caméra, elle insulte le cadavre. Elle se moque d'un cadavre. Elle se moque même de la famille de la défunte. On a fermé les yeux que non, on ne voit pas. On ne voit pas. Elle pose sa caméra. Elle invente les mensonges sur ma personne. Elle invente ce que je ne connais même pas dans ma vie. Sur moi. Sur ma famille. Alors que pour elle, ça, le cadavre de son mari est dans son placard. Elle est hantée tous les jours par ça. On ne parle pas. Coucou Rosa Rose. On ne parle pas. Elle se prend pour une princesse. Elle se prend pour celle-là qu'elle va nous salir sur la toile. Et puis on ne va rien dire. Quelle est qui? Est-ce que moi, elle manque que tu ne peux pas avec les asticots? Vous parlez que oh, la veuve. Est-ce que moi, je manque qu'elle prépare avec les asticots? Parlons peu, parlons vrai. Est-ce qu'elle ne peut pas parler les asticots? Hein? Moi, je manque que cette femme prépare avec les asticots. Si quelqu'un dit que je manque là, après le poste, si envoyez-moi la mamie d'asticots, je poste. Oui. Parce que vous aimez quand elle parle des autres. Elle invente sur nous, vous êtes content, vous êtes là-bas, vous vous agitez. Parce que c'est vos frères et soeurs, c'est une soeur du village. Vous vous agitez là-bas quand elle nous insulte. Vous vous agitez quand elle invente de ces mensonges sur les gens, quand elle souhaite la mort aux gens. Vous êtes content. Vous dites que non, on ne doit pas lui parler parce qu'elle est, elle est veuve, elle se drogue, c'est la dépression. Elle se drogue plus que les qui. Moi, mais elle peut prendre le coup. C'est interdit. Il y a un âge pour ça. Hein? Entre moi et elle, qui doit se comporter? C'est elle, c'est une femme qui a vécu. Elle a l'éducation de Bengis. Elle vient loin au Cameroun inventer le mensonge sur moi. Et vous croyez qu'elle va la laisser? Vous connaissez, vous me connaissez, non? Que ma part. Ma part, je peux appuyer, mais quand je fais whoop, vous me connaissez. Personne ne m'arrête. J'ai donné du respect à cette femme. Mais elle a pris mon respect, elle a jeté à la poubelle. Et moi, je prends ce respect, je fous au fond des toilettes. Je respectais d'abord quoi? Une femme qui prépare la nourriture avec les asticots. Hein? Une femme que tu commandes la nourriture que je viens manger, elle prépare ça avec ses urines. Elle ne prépare pas sa nourriture avec de l'eau. Les urines, ce n'est que les urines qu'elle prépare avec. On a découvert sa maison dernièrement avec la drogue pleine sur la table. Pleine sur la table. Les asticots à la cuisine partout. Vous voulez qu'on n'en parle pas? Si vous ne voulez pas qu'on parle de ça, demandez-lui de ne plus nous provoquer. Demandez-lui de ne plus inventer des mensonges sur nous. Si vous avez trop pitié d'elle, appelez-la, vous lui demandez de ne plus insulter les gens. Une femme qui est sale plus que le wari. Même le camion d'Isaac est plus propre qu'elle. Mais c'est elle qui vient inventer sur les vies des gens. Vous ne voulez pas qu'on parle d'elle. Appelez-la. Vous lui dites que évite la fille qui est au Cameroun là. Évite. J'ai dit non seulement qu'elle m'évite, mais qu'elle évite mes 5 cm. Elle connaît mes centimètres. Qu'elle arrête son hypocrisie à 2 balles là. On n'a pas peur d'elle. Moi, je n'ai pas peur de lui répondre. Je n'ai même rien dit aujourd'hui. Et je préfère m'arrêter là. Sur elle. Parce que la prochaine fois, c'est la mamie d'asticot que je vais sortir sur toi. La mamie d'asticot que tu tournais les garnitures des gens à l'intérieur.
quelqu'un fait la cuisine, elle prend la cuillère de la cuisine, elle met dans sa bouche, elle remet dans la sauce devant vous. Mais vous êtes malade ou quoi? On voit, on ne parle pas. On voit, on glisse les yeux. Mais elle vient nous insulter, inventer des mensonges sur nous, salir notre image. Vous voulez qu'on reste là, on ne parle pas, qu'elle est qui? Moi, j'arrête ça et jette. Une femme qui fait des incantations devant vous, on voit, on ne parle pas. Hein? Parce qu'on a peur de vous. Une femme qui insulte le ventre de quelqu'un que c'est vide. Une femme qui dit que quand tu vas prendre l'avion, là, tu vas tomber et mourir. Elle sait qui pour qu'on ne doit pas venir lui parler. Nous aussi, on a les mamans. Hein. Nous avons des mamans. Nous, on a des familles. Nous, on a une vie à préserver. Nous, on a nos images à préserver. Si vous avez trop pitié de cette poubelle, parce que dès maintenant, elle m'attaque, je contre-attaque. Allez lui dire d'arrêter d'insulter les gens pour rien. Elle n'est personne dans nos vies. Elle n'est pas une membre de notre famille pour qu'elle nous insulte. On la laisse. Moi, personnellement. Après, vous allez courir, Kounia, Kounia, comme c'est votre soeur du village. Allez manger les asticots chez elle. Je vous dis, hein, il n'y a aucun repas que la veuve prépare qu'il n'y a pas les asticots dedans. Hein. Qu'il n'y a pas les urines dedans. Hein. Il n'y a aucun repas que la veuve a préparé que je connaisse. Qu'il n'y a pas ces urines ou vos urines que vous partez souvent pisser dans ces toilettes là-dedans. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Parce que quand on parle là, vous croyez que c'est le clash. Moi, je vous dis que c'est vrai. Hein. Vos garnitures que quand vous partez là-bas, vous enlevez. Elle prend, elle presse bien le sang, elle met dans sa mamie de cocambala. Après, elle ramasse ça, elle vous cuisine avec. Hein. Parce que quand moi, elle parle, vous croyez que c'est le mensonge. Vous croyez que je suis en train de blaguer. Hein. C'est un gars qui te donne le poison, tu meurs à petit feu. Hein. Mais je te dis, la diva, est-ce que moi, je suis en train de mentir? Je mens? Je peux mentir. Vous me voyez comme je n'ai pas allumé la caméra, je mens. C'est un gars qui te kill à petit feu. Elle ne peut pas avec l'eau. Depuis qu'elle cuisine devant vous, vous avez vu, elle ramasse l'eau et verse dans la mamie. Elle a déjà conservé les urines déjà fermentées. C'est avec ça qu'elle met en bas de la mamie et puis elle met la nourriture dedans. Donc vous tous qui avez mangé chez elle, vous connaissez. Vous connaissez. Que vous avez à manger vos urines. Vous avez à bu vos urines. Vous allez manger vos propres caca parce que quand elle tourne le couscous, si vous regardez bien son couscous, ça l'est jaune. Elle ne peut pas tourner le couscous sans aller faire les sels et mecs dedans. Elle ne peut pas tourner son couscous sans aller faire les sels et mecs dedans. On connaît tout ça. Mais on évite juste de parler. Elle ne peut pas faire la sauce gombo sans mettre ses salives dedans. Et comme la sauce gombo glisse, tu sauras comment qu'elle a craché. Maintes fois, elle fait la sauce gombo. Elle prend la cuillère, elle trempe dans la sauce gombo. Elle met dans sa bouche, elle retrempe dans le gombo. Imaginez quand il n'y a pas la caméra. Elle augmente la sauce gombo avec les flashs, avec sa salive. Qu'elle m'envoie la femme là de me provoquer. Qui l'a envoyé de me provoquer? Hein? Qui t'a envoyé de me provoquer? Hein? Tu prépares la nourriture avec tes selles et tes urines. Tu viens me provoquer? Un gars qui n'a jamais préparé le foufou chez elle sans caca. Hmm? Sans caca. Tout ce qu'elle cuisine, ça avait les urines et les caca. Parce que chez elle, quand elle fait ça, ça veut dire qu'elle est en train de vous charmer.
vos chambres avec ses urines, vos urines et vos caca. Gombo salive, ça vous tente? Si le gombo salive vous tente, allez manger chez la veuve. Si tu aimes le gombo avec les salives, va manger chez la veuve. Mais si tu n'aimes pas le gombo avec la salive, ne mange pas chez elle. Parce que toute sa sauce gombo, ce n'est que la salive. Quand elle veut faire la sauce gombo, je vous prends l'exemple. Si elle veut préparer la sauce gombo aujourd'hui, elle va garder la salive de lundi. Elle va réserver une boîte comme ça. Elle va cracher dedans de lundi. Si elle doit préparer dimanche, jusqu'à dimanche. Le jour-là, elle verse une fois la salive dans le gombo. Elle vous dit que voici ma sauce gombo. Comme le gombo est d'abord cher là-bas, comme quoi. Elle vous dit que voici ma sauce gombo. Elle soulève la salive et les flashs de ça. Le mbanga dans la gorge. Croc, croc, croc. Paf! Dans la sauce gombo. Et vous venez vous asseoir, vous mangez. La veuve ne peut pas bien. Hein? Le goût de ça. Donc grimba de ça. Le couscous avec les caca de ça. Quand elle tourne bien, vous allez savoir que c'est les caca comment. Non, parlons peu pas. Je vous demande, je vous pose une question. Vous qui connaissez tout là. Quand elle tourne bien ses caca dans la mamie, vous allez connaître comment que elle a mis les caca dans le foufou. D'autant plus que quand elle vous prépare le couscous, elle mange elle, ses crevettes. Alors, les crevettes, c'est la seule chose qu'elle ne peut pas avec l'eau. Elle ne peut pas avec les caca. Elle est dans ses caviars, ses croquettes, ses crevettes. Elle pèse les crevettes, elle casse les crevettes, elle mange. Pendant ce temps, vous mangez la sauce gombo salivée. La sauce gombo flashée. La sauce gombo avec les salives qu'on a gardées depuis une semaine. Vous êtes content, vous m'avez vous léché. J'ai pitié de vous. Hein. Allez vous puger. Hein. Allez chercher la pompe. Vous connaissez la pompe de l'époque de nos parents. Nos anciens. Pour enlever le poison lent qu'elle a mis dans vos ventres, allez chercher les pompes qui font. Vous partez chercher les herbes. Le trois côtés. Le citron. Avec le massep. Le poivre noir. Vous mélangez, vous préparez. Vous mettez la pompe, vous prenez de l'eau de ça, vous pugez avec avant que vous ayez. Tout ça va sortir. Parce qu'il n'y a pas une sauce gombo que la veuve a préparée sans mettre sa salive. Il n'y a pas. Quand vous mangez que. Ça vous rate. Ça vous rate. Lily dit que la veuve a fermé plus jamais manger le gombo. Puisqu'elle voit, il y a les benguis là. Alors, la veuve, fais-moi le gombo. Tu fais une bonne sauce gombo. C'est pour ça qu'elle vous dit que quand vous voulez passer la commande avant le jour. Pour qu'elle puisse préparer ses urines, ses caca et ses salives. Elle ne parle pas pour rien. Allô? Bonjour, bonjour. On parle, les gens viennent me dire ici que oh la lionne. C'est vrai que c'est la période, mais bon. On va prendre un peu à temps. Ça va aller. Attends, c'est bon. Donc, je n'ai encore rien dit sur elle. Voilà. Ma prochaine sortie, je vous poste d'abord sa cuisine. Pleine d'asticots. Oui. Je vous pose sa cuisine. Envoyez-moi la vidéo de sa cuisine pleine d'asticots. Et je vais vous poster ça. C'est pas parce qu'on couvre. Parce que la période que c'est sorti, nous on voulait parler.
Les gens sont venus nous dire, non, la lionne ne parle pas, hein, c'est une veuve, il faut avoir pitié d'elle, de la, non, il faut pas appuyer ça, il faut laisser, ça va passer. Mais pendant ce temps, elle pose sa caméra pour saboter nos vies. Elle, c'est qui? La veuve, tu n'es rien. Tu n'es personne, j'ai pas peur de toi. Tu ne seras jamais personne. Si un blanc qui a les dos est décédé, tu n'as rien eu. Ce n'est pas aujourd'hui que tu auras. Tu n'es qu'une merde. Oui, je n'ai pas envie de te clasher, mais je te dis tes vérités. Tu n'es qu'une merde dans nos vies. On a même envie de dire que tu n'es même pas camerounaise. Tu souilles les gens. Comment une femme peut passer son temps à se dénier, à se démerder sur les réseaux sociaux comme ça? Ça fait honte. Mais si ça ne va pas rentrer au village, rentre au Cameroun. Si c'est l'ondo qui t'attrape même déjà, rentre au Cameroun. Tu vas rester en Samelima. De temps en temps, il vient rester avec toi. Il vient te rendre visite. Hein? J'achète le pain Kouma avec la sardine, je viens te donner là-bas. Étant à Sambalima, quand tu vas dire que tu as faim, tout le monde va te dépanner. Comme moi, je suis au Cameroun. Il y a les gens qui restent comme ça à la fin du mois, ils disent que il faut qu'on envoie quelque chose à la lionne. On m'envoie. Est-ce que tu vas mourir si tu rentres dans ton pays? Au lieu de rester en bain, fumer le manga, salir la vie des gens comme ça. Rentre au Cameroun. Oui. Il y a les gens qui savent moralement qu'il faut aider cette fille parce qu'elle est elle est au Cameroun, elle a besoin d'aide. Mais toi, quand tu es en bain, il y a les gens même que quand ils t'aident, ils disent qu'on donne seulement pour aide-moi à détester. Mais il y a les gens que quand tu es au Cameroun, ils t'aident parce qu'ils savent qu'au pays, c'est dur. Va rester à Sambalima. Ou tu viens ici à Douala, tu loues même une belle maison de 60 000, un studio. Tu restes dedans. Ton Ganala, tu mets même quelqu'un en location dedans. Tu restes au pays manger l'argent. Tes enfants t'envoient l'argent, tu manges. Est-ce que tu as encore l'âge de rester en bain, soulever tes fesses partout, discuter les blancs? Te voilà, un blanc t'a largué. Un blanc t'a jeté comme une vieille serpillière. Avec toute la beauté que tu as, à cause de ton sale comportement. Tu as tourné le nom du blanc là dans la mamie. Tu es arrivé, il t'a lagué. Mais rentre au pays. Ici, nous, on ne chasse pas les gens. Bien vrai que quand tu fais les bêtises, nos autorités ne supportent pas. Hein? On te jette dans l'avion et puis tu te retrouves là où tu peux te retrouver. Bah oui. Les veuves chez nous, les veuves se respectent. Les veuves partent cultiver les champs de leur mari. Les veuves vendent les beignets, nous, on ne peut pas les aider. On achète, on les donne les pourboires. On les fait les dons. C'est même écrit dans la Bible. Tu es parti là-bas, tu as fini de killer ton mari. Rentre dans ton pays. Tu ne veux pas rentrer. Tu restes là, fumer la drogue partout, tu déranges les gens avec. Mais respecte-toi à la fin. Tous les gens disent que nous, on sort des clashs, mais tu viens toujours nous provoquer. Tu penses qu'on n'a pas aussi la bouche? Tu penses que moi, là, je n'ai pas la bouche pour te répondre. Tes bêtises que tu fais au Nico Ketchaï, console, là, tu crois que tu peux me faire ça? Moi, j'ai aussi un bloc. Hein. Ma page, elle est monétisée et tout. J'ai un bloc. Tu vois? Donc, à tout moment, je te lave et puis nous tous, on bénéficie. Bah oui. Tu penses que quoi? On t'évite parce qu'on a pitié de toi. Mais tu es lavable. Il y a tout sur toi qu'on peut laver. Une femme qui a gardé le totem dans son ventre jusqu'à ce que le blanc qui a enlevé. Tu viens nous parler. Eh, moi, j'ai dit. Viens tout me provoquer. Moi, elle te dit qu'elle ne veut pas te clasher. Tu sais que quand elle te clash, tu tombes une fois dans le coma. Donc, ne viens plus me provoquer. Hein? Moi, elle te dit, ne viens plus me provoquer, la veuve. Provoque tes gens, mais ne passe plus mes 5 cm. Parce que moi, je te miette et je te démonte. Et avec preuve. Voilà. Mince. Tu penses que nous, on manque ce qu'on va t'insulter avec? Il y a beaucoup qu'on peut t'insulter avec. Une vieille peau. Hein? Qui n'arrive même pas à se laver. Tu te laves même pas jour.
Le matin, tu es en direct. À midi, tu en sortant, tu portes la bique devant nous, tu sors avec. Et c'est toi avec les mêmes mains que tu as gratté ton tot, que tu as fumé le manga avec, que tu peux faire les achats, tu portes les achats, tu ne laves même pas avant de préparer. Tu utilises les mêmes mains que tu n'as même pas lavées pour préparer encore la sauce gombo aux gens avec. Et tu prends encore les salives de une semaine, tu verses dedans. Tu viens t'asseoir pour nous parler. Tu peux nous parler. Parlons peu, parlons vrai. Tu peux parler à la lionne, la veuve. Hein? Je sais qu'après le direct, si tu vas devenir folle, mais je m'en fous. Hein? Tu m'as provoqué, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu m'as provoqué? Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? Je suis restée, tu m'as provoqué. On t'a rien fait, moi, je t'ai rien fait, moi. Tu as inventé des mensonges sur moi. Hein? Tu es là-bas en Benghazi, au Cameroun, tu passes ton temps à inventer les mensonges sur moi. On se connaît, toi et moi, et je vais te dire un truc. Tu tentes de venir au Cameroun, tu fais tes pètes-pètes là. On va te mettre dans la rigole. Verser la terre sur toi une fois, parce que tu souhaites la mort aux gens là. Et qu'on va t'oublier. Tes parents vont te chercher dans le Cameroun fatigué. Tu seras là dans la rigole. Même une poubelle comme ça qui ne se lave même pas, elle vient parler aux gens. La veuve, tu as pris même 5 minutes pour faire ta toilette. Tu me tentes au Cameroun, je t'enterre vivante. Oui, et t'enterre, on ne parle plus. Je te mets au sol. Tu as compris avec quoi? Je paye les gars de Bonabo. On te sionne. On arrive dans la maison de tes parents, même à Kribi. On les théorise. Tu as compris avec quoi? Ma chance. J'étais appelé dans ma vie. J'étais à dire, fais tes pètes-pètes là. Il y a les gens qui ne blaguent pas. Et te dis ça. Donc, quitte vite derrière moi. Quitte dans mes 5 cm. Quitte dans mes 5 cm. Ben, tu blagues le jour que je me rends compte que tu vas atterrir à l'aéroport. J'appelle les gars de Bonabo. Je les donne. C'est-à-dire, je donne seulement 5 000. On te sionne jusqu'à arriver là où ta mère vit. Là où tu peux vivre, pardon. Parce que ta mère n'a rien à y voir là-dedans. Là où tu vis, là où tu dors. On tape ton sac tous les jours que tu sors. Tu n'as pas confiance. Quand tu vois les cheveux, si tu n'as pas peur. Quand toi, tu vois les cheveux, si. Hein? Tu n'as pas peur. Quand tu comprends mon nom, la lionne, tu n'as pas peur. Je prends mes amis de Bonabo là. Renseigne-toi sur le quartier Bonabo. J'ai dit que donne seulement 5 000. On t'attend à l'aéroport. On te sionne. Tu entres. On dit ok. Chaque jour, chaque sac que tu sors avec, on prend. Oh, et les gars ne prennent pas les coups. Hein. Ils prennent, ils marchent avec. Tu ne fais rien. Tu as compris? Donc ne me tente pas là où tu es placé là. Et ta plainte est au chaud. La vidéo que tu as saboté l'entreprise de quelqu'un avec là, c'est placé au chaud. Le jour où mon cerveau bouge, que pac, tu vas lire l'heure. Oui. C'est quelle poubelle ça? Nous ne sommes pas tes enfants. Moi, je ne suis pas ton enfant. Va faire tes choses à tes copines, tes enfants. Mais moi, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, la veuve. Donc, tu n'as pas à m'insulter et inventer les trucs sur moi. Je t'ai encouragé dans ton commerce. Je me suis soumise. Je t'ai respectée comme une maman. Mais tu n'arrêtes pas de me dénigrer, inventer des mensonges sur ma personne alors qu'on ne se connaît pas. Tu penses que tu es quoi? Tu penses que tu es quoi? Moi, je vais t'écraser. Oh. Tu as compris? Moi, ma monétisation, là, je vais travailler ça avec ton nom. Chaque semaine, je vais faire un live sur toi. Et ça ne chauffe pas. Je vais dire aux gens, tu sais que les clashs que tu faisais en 2000, 2002, 2023, ce n'est pas 2024.
il y a les 2024, il y a les gens qui n'avaient pas les téléphones en 2023, qui ont les téléphones en 2024. Donc, tout le monde va découvrir que tu prépares la nourriture avec les asticots. Que tu fais la nourriture avec les asticots. Et puis, tu verras que salir le pain quotidien de quelqu'un n'est pas bien. Mais moi, je ne te salis pas et dis la vérité sur toi. Est-ce qu'il manque que tu ne peux pas avec les urines et les caca? Je mens. Est-ce que je mens qu'il y a les asticots dans ta nourriture? Moi, je mens. Je dis la vérité. Vous l'avez appelé, elle dit quoi? Tout à l'heure, quand je l'ai appelé, elle m'a dit, je lui avais dit 11. Ah, mais quand je vois ton visage, c'est pas possible. C'est violent, hein? Là, cette fois-ci, il n'a pas dit. Je ne sais pas si là, ça t'arrive. Hein? Vieux pot, toi et moi on se connaît. Tu es là-bas en Beng depuis. Même quand tu faisais la rue ici à Akwa, j'avais ton âge, j'étais encore dans l'œuf. Hein? Tu connais ma vie, on se connaît. Chaque semaine, tu as droit à un ou deux lives. Donc le jour que je me lève et compte mon pied sur toi, je viens ici présenter les asticots qui sortent dans ta mamie. Sueuse de gens. On a voulu te respecter, t'inviter à la canne. Tu es venu suer les Camerounais. On ne peut jamais te respecter. On ne peut jamais te valoriser parce que tu n'es qu'une poubelle. On doit te mépriser. Parce que quand on te respecte, tu prends le respect là, tu jettes. On te donne le respect, on t'invite. À la canne, tu viens ouvrir tes fesses devant les gens. Tu marches en caleçon. Ici, nous, on ne marche pas en caleçon, wesh. Tu viens ouvrir ton caleçon, tu marches avec. Tu bindas avec tous les gens de l'hôtel. Tu insultes les gens. On t'a expédié comme un colis fragile. En bain. Tu pars t'asseoir, tu inventes les mensonges sur nous. Et te dis qu'elle cita. Tu inventes les mensonges alors que tu prépares avec les asticots dans ta mamite. Ne mangez jamais son fosse. Hein. Vous connaissez ce qu'on appelle le fosse, non? La nourriture des Yaoundé, c'est comme les asticots là. Ne mangez jamais ça. Hein. Chez la veuve, il y a le gombo, il y a le fosse, il y a le couscous. Vous pouvez manger les crevettes parce qu'elle fait rien qu'avec l'huile. Même les crevettes, souvent, elle prend un asticot, elle met dans les crevettes. Non, quand vous mangez, ça fait crrrr. Vous pensez que c'est les crevettes qui font twix? Ce sont les asticots. Quand elle achète le fosse au Cameroun, elle part, elle conserve ses sels. Quand les asticots montent, ou bien elle conserve sa pierre à écraser, elle ne lave pas. Quand les asticots gonflent jusqu'à ce qu'ils soient un peu gros, elle prend, elle augmente dans les fosses qu'elle a achetées au Cameroun. Les fosses, c'est les petits chenilles là. Elle augmente dans les fosses. Elle vous fait à manger, elle dit que c'est les fosses, alors que c'est les asticots. Ce sont les asticots. Alors que ce sont les asticots. Le magicien. Est-ce que c'est là vraiment? Tu les entends? Oui. C'est quoi? C'est la chaussure. C'est quoi ça? Comment? Gars déréglé mental comme ça là, elle parle ce qu'elle veut. Bon, on passe sur elle. On a donné sa dose, mais que nous sommes à combien? Nous sommes 197 partagés, non? Ah, partagés, non? Mes doudous d'amour, mes cœurs, mes doudous. Je vous adore. Excusez-moi de faire un peu de retour dans la saleté, mais cette femme elle exagère. Voilà, donc.
De temps en temps, on doit leur montrer que on peut. On ne veut pas seulement. On peut. Voilà. On peut, mais on ne veut pas. Donc, à tout moment, on peut revenir dans la saleté. On peut, mais on ne veut pas. On peut, mais on ne veut pas. On peut, mais on ne veut pas. Voilà. Donc, elle doit savoir que nous, on peut revenir dans la saleté avec elle, mais on ne veut pas. Voilà. Tu dois baisser ton niveau de mbanga. Et si ça ne va pas, tu rentres au Cameroun, non? Hey? Rentre au Cameroun. Hein? Tu crois que tu rentres au Cameroun? Quand je vais dire à mes gens que ouais, pardon, j'ai faim, ou bien je vais aussi envoyer pour toi. Hmm? Je t'envoie même un sac de riz. Mais tu es là-bas en Ben, tu es dans les quatre murs, tu t'insultes avec les murs. Quand ça te dépasse, tu poses la caméra pour nous insulter. C'est quoi encore, bébé? C'est bon. C'est quoi encore? C'est quoi encore le truc là? C'est quoi encore? C'est bon, ça a pris. Marche un peu avec. Hmm? Donc fais attention, hein. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre le président Dukamer et Bertrand Chicksomon? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru entendre que Bertrand a laissé que le général de Dukamer insulte Dukamer dans son live. Alors, ça a énervé Dukamer et Dukamer a donné les vectos à son général et a dit si elle continue de l'insulter, il va sortir. Le général de Dukamer. Tu veux pas que les gens m'ont pris. Tu prends l'eau scandinave, tu as un beau fauteuil, tu vois comment c'est. Le tissu est traité. Quel est le DKM là? Non, vraiment. Mon président m'a déçu là. Ensemble dit chez Dukamer que son président lui a déçu. Son président, c'est Dukamer. Que son président lui a déçu. C'est l'émission Actualité de la Toile. On parle de tout ce qui se retrouve sur la toile. Tu vas beau insulter ces femmes, tu vas beau faire ceci. Mon téléphone quand je travaille parce que ça déconcentre. Être en train de travailler sur tous ces domaines-là, ça m'a créé des problèmes au boulot, ça a baissé mon niveau de travail. Et j'ai failli moi-même être viré. Quand j'arrive, j'éteins mon téléphone jusqu'à midi. C'est à midi que je regarde le téléphone. Et quand je reprends à 13h, à 17h, j'éteins complètement. Et ça m'a permis d'être concentré pour me concentrer sur le boulot. Pour me faire très attention. Dès qu'elle me cache, on demande à ce qu'on n'aide pas. En fait, dans les commentaires, on dit qu'on n'aide pas les bras. Qu'il faut plutôt commander les poupées gonflables. Mais sans autre commentaire. Tu vas aller raconter que c'est parce qu'il m'a vu chez Bertrand, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Le président Dukamer est très fâché contre son général. On a trois personnes. On va chez monsieur Pasto, on va chez toi, on va chez moi. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Ça ne nous dérangeait pas. Et toi, tu. Je me charge attention. Merci, Khalidou. Tu es sorti là des. Ce Galine, mais moi, jamais. Oui, frère. Mais qui dit jamais, l'histoire de Linda, tu parles, tu es vraiment un petit, tu es vraiment minable. Hein. Moi, je te dis, tu es un personnage très minable. Je comprends pourquoi tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de vie, en fait. Quand tu es là, toujours dans les histoires à deux balles. Franchement. Quand je sais mi beauté, je connais. Tu comment tu te comportes, dis, mais je connais que c'est elle. De gamin, en fait. Là, comment tu te fais manipuler? Oui. Oui, oui tu la mets. Il faut que c'est la femme. Pas que tu me manques.
Non, c'est vrai que je ne suis pas au courant de ça. Moi, je l'ai écouté. Moi, je suis. La maman m'a mis là. Tu sais pas qu'elle. Tu peux le faire ça. J'ai trois choses. Ça a cuit entre le président du Camer et son ami Bertrand et son général. Ah ouais. Tu n'es pas qu'à Paris, je peux le faire prendre. Tu es arrivé là-bas. Ah là là. Là, tu m'as déclaré. Donc tu dis qu'à Paris, là, tu peux me faire prendre. Tu la racontes. J'avais abandonné. Du Camer est très déçu de son général. Est trop déçu de son général. Je peux me faire prendre. C'est ce que tu viens de dire là, le tiré de Bertrand. Ah d'accord. Donc, Je vais putain de bordel. Putain, en juillet, à la soirée. Ah ouais. Tu as raconté ça là-bas. Donc, tu as les capacités de. Alors, Ducamé est très déçu. Pourquoi? On dit très haut, c'est trop. Parce qu'il causait avec son général ensemble. Il considérait que son général ensemble était une maman qui pouvait confier ses choses chez elle. Donc maintenant, Ducamé est en train d'écouter comment ensemble lance les petits secrets, hein, les petits secrets qu'il se confiait chez elle. Et il est très étonné et très énervé. Il a dit que si ensemble continue, il va sortir lui donner sa dose. Il va sortir parler de sa famille. Il va sortir dévoiler tout ce que eux ont causé ensemble. Écoutons. T'es vipère. J'espère que vous savez avec qui vous jouez. Vous histoire. Vous connaissez même la personne qu'on appelle du Camer. Vous avez entendu un jour à Paris que quelqu'un s'est mis devant vous. Je ne suis pas à toi, à Paris. Les généraux de ça. Mon président du Camer, tu dois comprendre que les généraux, qui aiment la Starmania, qui sont toujours chroniqueurs chez toi là. Qui sont toujours chroniqueurs sur ta page, je ne parle pas spécialement de toi, sont des gens qui cherchent la Starmania. Est-ce que tu vois Choco Zouté chroniqueuse chez moi? Est-ce que tu vois la Mafo a une chroniqueuse? Est-ce que tu vois Compressor? Non, à l'époque c'était Ndolo Moulema. Quand tu vois les gens là, c'est les mêmes gens avec ton général là. Quand un général décide d'être chroniqueur chez toi, ça veut dire qu'il cherche la Starmania. Ma Choco Zoutou, la guerrière, la lionne, sort uniquement quand je suis attaquée. Le reste des directs, eux, ils s'en foutent. Même mes mamans de la toile, que vous voyez, qui m'aident même beaucoup là, elles ne montent jamais dans mes directs. C'est rare. Il n'y a que peut-être Mi Beauté qui monte quelquefois quand c'est trop grave, quand elle voit qu'il y a quelque chose qu'on doit un peu ranger, qui est un peu penché, qu'on ne comprend pas. C'est là qu'elle monte pour parler. Pour dire un peu que non, ici là c'est comme ça. C'est rare. Mais quand tu vois quelqu'un vient te dire que je suis ton général, tous les jours elle lance les directs. C'est ça que je suis en train d'alerter même Dorcas qui allonge sa bouche sur moi là. Que ton général Maté que tu vois là, c'est elle qui va finir avec toi. Je ne peux que te dire ça. Elle va boller avec toi. On n'en parlera plus de toi à cause de ton général là. Parce que je suis sûr de mes relations. Pourquoi? Parce que mes relations ne cherchent pas la Starmania. Si je dis que si Choco lance le direct, ça veut dire que je suis ici. Ici. Tant que je ne suis pas ici. Non. Voilà mes sistous, les Batatiana, Mimbang et consorts, même comme on est un peu éparpillés. Si je suis vraiment attaqué que de feu, elles vont sortir. Vous allez voir, elles vont lancer le direct. Mais tant que je ne suis pas attaquée, elles font des chroniques chez les gens, elles se baladent partout. Ça ne les intéresse pas de faire les directs. Les gens qui te soutiennent vraiment, quand ils aiment trop venir chroniquer chez toi, il y a les gens qui aiment chroniquer. On appelle ça les gens, les chroniqueurs. Oui, il y a des chroniqueurs. Mais ton général ne doit pas être ton chroniqueur. Ton général, c'est celui qui travaille dans le noir pour toi. Les personnes qui t'aiment sont des personnes qui travaillent dans le noir pour toi. Quand tu es attaqué avant qu'ils font des postes pour t'aider. Mais le genre d'ensemble qui monte dans ton direct, bavarder les trucs là.
Je n'ai aucun problème avec elle. Elle m'a insulté, tant mieux. Mais je dis, ce sont des gens qui cherchent la Starmania. Les batteries de Chamalo qui ont déjà les pages, bientôt vous allez entendre qu'elle a monétisé. Voilà Ndolo Moulema. Les mêmes gens. Les bas généraux. Aujourd'hui, elles sont blogueuses. Faites attention. Hein. Faites attention. Faites très attention à vous. Moi, je m'entoure pas de n'importe qui. Hein. Je ne m'entoure, je me vante avec. Je me vante avec mes relations. Je ne m'entoure pas des poubelles. Non. Je m'entoure surtout des personnes que quand j'ai tort, elles m'agressent, mais de vrai, mais en eBay. Elles ne vont pas aller dans les tirettes des gens pour me flipper. Elles vont venir me dire que ce que tu as fait n'est pas bien, en eBay. Mon problème est que celui de 8500 ressemble beaucoup à ce qu'on a pris hier, non? On prend ça pour équilibrer le marron. Mon président, fais attention aux personnes que quand tu es peut-être en palable avec nous ou avec ta fille, ou avec les autres gens. Ils viennent entrer dans ton direct, wow, ils commencent à chroniquer. Okay. Même Linda, que tu vois, Linda Ewane, elle est venue parce que tu m'insultais. Elle était accro à toi parce que tu m'insultais la période que j'avais les palabres avec sa patronne. Non, pas pour 8500. Aujourd'hui, tu vois, ils ont profité parce que tu étais en palabre avec ta fille. S'introduit chez toi, fait comme s'ils t'aiment beaucoup. Les voilà aujourd'hui. Donc, fais attention. Il n'y a que les Batatiana, les Bajans comme nous là. Qu'on peut dire qu'on est avec toi, Bango Bango. Quand tu commences à nous insulter, nous on fuit. Mais quand tu ne nous insultes plus, nous on vient. Mais moi, je ne t'empêche pas de dire ce que tu penses de moi. Aujourd'hui, j'apprécie ta façon de parler de moi. Pourquoi? Parce que tu parles avec respect. Même si ça parle dans n'importe quel sens, tu parles quand même de moi avec un peu de respect. Tu commences par c'est ma fille. Je ne veux pas trop entrer sur elle. Tu as toujours tes commissions, ça va? Je ne veux pas entrer dans ce détail. Parce que si tu n'as pas tes commissions, mais je dis quand même que c'est comme ça. Tu ne laisses plus les gens m'insulter. Si c'est moi qui on ne peut qu'apprécier cette amélioration. Aujourd'hui, on constate que quand tu veux même trop parler de quelqu'un, quand on dit que laisse, tu laisses. Tu te comportes comme un président maintenant. Moi, je peux le signaler. Bon, où toi tu m'inscris alors? Tu te comportes comme un président maintenant. Ce n'est pas maintenant que les ensemble et consorts vont s'entasser pour parler de toi. L'époque est passée quand tu ne t'es pas posé. Aujourd'hui que tu contrôles, parfois quand on lève le ton chez toi, tu dis non, je veux faire ça. C'est très bien, c'est ce qu'on te réclamait. Moi, je ne vois pas pourquoi ils vont s'entasser pour parler de toi. Alors, nous, on te soutient. Bertrand Chic-Saumon, finalement, on ne sait pas où tu vas. Mais ça n'engage que toi. Il ne veut pas entrer dans ça avec toi. Ça n'engage que toi. Ok, d'accord. Bon, parce que l'époque que tu pouvais parler à Dukame est passée. Tu prends les gens pour l'insulter dans ton live. Tu récupères les gens de la TK, c'est pour l'insulter dans ton live. Et c'est triste. Oui, parce qu'entre vous, les hommes, vous devez vous soutenir. Quand c'était moi, tu montrais que tu me soutenais trop. En tout cas, c'est ton problème et ton ami. Moi, je ne veux pas entrer dans ça. Mais je dis, ce que tu as fait sur Dukame avec Ensemble, c'est injuste. Dans l'émission Actualité de la Toile, on est capable de vous dire en face que ce que vous faites n'est pas bien. C'est injuste. Il ne mérite pas ce que tu lui as fait là. Oui, il a ses guerres. Il y a quelques fois, je ne suis pas d'accord avec lui, mais quand c'est pas aussi bon, on doit être capable de venir dire que ce n'est pas bien. Et la même Ensemble va t'insulter, toi, Bertrand. Et ça ne chauffe pas. Elle va t'insulter parce que moi, elle m'a insulté pour rien. Elle a inventé les choses sur moi pour rien. On ne se connaissait pas. Tout simplement pas pu. Je ne sais pas ce que je lui devais. Après, elle est revenue encore seule. Se calmer. Heureusement qu'elle ne cause pas avec n'importe qui. Si j'avais une fois dit que c'est une maman de la toile, je causais avec elle. Je serais où aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, là, je suis où avec cet ensemble? Je serai où avec elle? Sentez un peu, mais du tout.
Je serai où avec elle? Donc vraiment, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire la lionne, tu soutiens du camé, mais demain il va encore parler mal de toi. Mais c'est l'instant T de l'émission Actualité de la Toile. Donc à l'instant T, on dit ce qui se passe dans l'actualité ces jours. Et on donne notre position, on donne notre avis, sans crainte. Donc, mon président, il faut savoir éviter le mal. C'est pas que quand tu es fâché de la lionne de ta fille, tu viens quand tu parles, ils profitent, ils viennent, ils t'aident à bavarder. Après, quand tu ne parles plus de ta fille, ils partent t'insulter. Non. Et je dis encore à mon président du Camé que il faut débloquer Poamafo, s'il te plaît. Débloque Poamafo. C'est une qui ne voulait pas, qui n'aimait pas quand tu m'insultes, quand tu es en colère contre moi. Parce qu'elle savait que non, ça va passer. Donc débloque là mon président. Hein, du Camé est très remonté et c'est normal. Franchement, c'est normal. C'est normal. Vous voulez finir avec notre président? Vous voulez finir avec lui? Hein? Comme il n'insulte plus sa fille, il n'insulte plus la MAFO. Vous partez faire la réunion sur lui. Les gens qui ne s'assument même pas. Vous partez faire la réunion sur son nom. Il vous a fait quoi? Tout ce temps-ci, il dit qu'il ne veut plus les clashs, il ne veut plus les problèmes. Vous partez faire la réunion sur lui jusqu'à parler de sa vie. Ensemble, tu parles de la vie de Dukamé, tu n'as pas honte, maman. Il vient se confier chez toi comme, en tant que ton fils. Tu viens m'appeler de lui. Mon papou débloque pour Amafo, pardon, je t'ai appelé fatigué. Elle a envie de te soutenir, mais elle ne sait pas comment faire. Parce que ce que les gens là te font, ce n'est pas bien. Priscaline de l'Allemagne, ma sister, c'est comment? Tu lui écriais, tu répondais, hein? Elle a envie de venir te soutenir, mais elle ne sait pas. On veut te soutenir. Parce que ce que les gens la font n'est pas bien. Quand tu nous insultes, ils sont avec toi. Mais quand tu nous insultes plus, quand tu ne permets plus qu'on parle mal de nous, ils fuient. Parce que quand tu es avec Cash Money, tu fais tes chroniques là-bas avec Cash Money tranquillement, vous évitez les injures. Et il n'aime pas ça. Il veut seulement que tu insultes les gens. Il veut seulement que tu t'acharnes sur les gens. Nous, on te soutient parce que ton blog maintenant est bien. Même quand tu veux me reprocher quelque chose, j'écoute, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce qu'il dit d'abord que c'est ma fille et je ne veux pas entrer derrière elle, mais je précise juste que il parle, il quitte ça. Mais à l'époque, quand il parlait comme ça, ensemble, on monte dans son direct. Maintenant qu'il n'est plus comme ça, ça devient le problème. Je te soutiens, mon papou. Papouchou, débloque-nous. On va te soutenir. C'est même quelle histoire, ça. Les vieux mecs qui ne se respectent pas. Tu n'as pas honte de clasher. Du Kamel comme ton fils. Il t'a fait confiance. Il t'a confié ses trucs. Il t'a parlé de sa vie. Même s'il ne t'a pas confié les secrets de sa vie, il t'a parlé de sa vie. Tu dois au moins respecter ça. Hein? Du Kamel nous encourage beaucoup. Hein? Il est presque le seul blogueur de la toile qui partage bien les publicités des gens. Donc quand il y a une vérité qu'on doit dire sur lui, on doit quand même dire. On doit dire, pas quand même. On doit le dire. Vous l'insultez parce qu'il ne permet plus que vous venez insulter les gens là-bas. Ce n'est pas bien. Respectez-vous. Si maintenant il sort là, il publie ta famille, il publie tes enfants, tu vas dire que oh, du Kamé est méchant. Alors que c'est toi qui lui a provoqué. C'est toi. Et Bertrand, il soutient. Mais je suis désolé, Bertrand. Ce que tu fais là, ce que tu fais là n'est pas bien. Du Kamé t'a soutenu ici, là, Bertrand. Il t'a soutenu. Parce que plutôt que d'augmenter, tu pars, tu fais monter ensemble et la tête cassée. Linda et Wane. En pensant ce que tu recherches. Linda qui l'a? C'est Linda qui l'a, moi je ne sais pas. C'est Linda et Monere, ou c'est Linda et Wane, ou c'est qui l'a? Mais on gagne quoi alors? Ils ne mettent pas les intérêts. C'est pas trop. Ah bon?
C'est Linda, Linda t'es cassé. Oh. Elle monte là-bas, elle commence à parler mal de mon président. Tu laisses. Voilà. Bah, tu es content. Il ne vous laisse plus insulter les gens n'importe comment. Du Kamel, continue dans la même lancée. Continue dans la même lancée. Même si tu as à nous reprocher quelque chose. Reproche-nous sans permettre qu'on nous insulte. On va on sera qu'avec toi. Oui. Moi, on sera seulement qu'avec toi. C'est quel comportement ça? Le tourbillonnage de ça. Non. Franchement. Jusqu'à Dukamel fâché, ben. Dukamel, c'est la première fois que je vois, il est tellement déçu de quelqu'un comme ça. Hein? Il est tellement déçu parce qu'il avait confiance ensemble. Il partait même confier les choses à ensemble. Elle vient, elle lui met sa bim. Alors, dans l'émission Actualité de la Toile, nous, on vous annonce que la L compresseur est au Cameroun pour remettre les dons. Nous allons suivre les dons à la loupe. Nous allons copier les dons et poster sur la page et nous allons commenter dans l'émission Actualité de la Toile. Elle est au Cameroun pour les œuvres humanitaires. C'est ce qu'elle a dit. Je viens donc vous renchérir qu'elle est enfin arrivée au Cameroun pour remettre les dons qu'elle a cotisés. Et nous allons ensemble découvrir les dons qu'elle va remettre aux gens. C'est pourquoi j'ai mis le titre « Les dons ». Alors, nous attendons les œuvres humanitaires de la L Compressore. Voilà. Pour le moment, on ne peut rien dire de cela, mais nous attendons voir ces postes et ces directs. Je ne juge rien pour le moment. Vous non plus ne jugez rien. Attendez de voir ce qui va se passer. Parce que nous savons que elle se proclamait ambassadrice humanitaire. Donc, nous allons voir de quoi elle est capable. Parce que parfois, on peut dire que non, on n'a pas cotisé. Elle-même sort le pactole. Vous voyez un peu? Elle sort les dos. Elle-même dépose. Oh, hein? Voilà. Donc, c'est un peu ça, mes chouchous. Et on a encore quoi qu'on doit renchérir sur la toile. Entre le couple Messan et elle compresseur, il y a un peu du calme ces jours-ci. Nous espérons que ça va durer et que tout revient dans le calme comme d'habitude. On a encore quoi? On a de l'autre côté la MAFO qui a décidé de ne pas répondre aux attaques de la veuve joyeuse que nous savons tous qu'elle est en train de l'insulter. Mais la Nomba Uno a décidé de faire vue et ignorer et se concentrer sur ses activités. Parce que nous comprenons par rapport à ses postes. Elle a fait des postes où elle dit qu'on ne doit pas s'occuper des conneries. Alors, la blogueuse, la Nomba Uno, la fleur de l'île, toujours imité, jamais égalé, a dit « Je ne m'occupe plus des inutilités, j'avance dans mes activités, dans mes constructions, dans mes voyages et dans mes invitations. » Et sur Mastamaniar, donc nous le savons tous qu'à présent, elle est en paix avec tout le monde. Bien vrai que la veuve a procuré des mensonges en sa personne, dont elle disait que Fleur de Lys n'a jamais porté la robe, c'est-à-dire le pan d'une dope, des bêtises, des écans. Alors que nous avons des photos dont elle a porté ses pagnes. Voilà. Nous avons des photos dont elle a porté ses pagnes devant nous. Et nous nous demandons pourquoi cette femme décide de mentir sur la Nomba Uno ainsi. Sans raison. Alors que la Nomba Uno ne l'insulte pas, elle ne lui clash pas, elle ne lui gère même pas. Donc, ça reste un point d'interrogation. J'ai posté hier soir, la grande blogueuse, la MAFO Fleur de Lys, avec le pain des écans. Le pain des écans. Elle était en pain des écans. Bien avant même la blogueuse, influenceuse
blogueuse d'État. Elle avait porté ce panne il y a longtemps. Et vous voyez toujours comment elle valorise les écans ici-là. Donc, nous voulons comprendre pourquoi la veuve veut absolument qu'on déteste cette femme et qu'on déteste Tata Lolo. Je ne comprends pas et peut-être qu'un jour, nous allons comprendre. Je vais vous laisser. On a bien papoté, je vous ai bien renchéri. Maintenant, nous passons à la pause publicitaire. Mes amours, si vous voulez envoyer de l'argent en Afrique, n'hésitez pas à télécharger l'application TapTapSend. Utilisez mon code promo LIONE237. LIONE237. Mes cœurs, vous savez que nous sommes au début du mois. Commencez à utiliser mon code promo pour envoyer de l'argent. Si vous manquez à qui envoyer de l'argent, votre lion est là. Je suis au Cameroun. La connexion coûte cher. La nourriture coûte cher. Tout coûte cher. Donc, si vous voulez là-bas en Beng, vous avez mes relations en Beng, hein? Vous avez besoin de faire un tap-tap-sain. Tapez seulement la lion, même si c'est 10 000 envoyés, même si c'est 20 000, vous tapez seulement, vous m'envoyez et puis mon code promo est utilisé et je gagne. Donc, merci la guerrière, la lionne. Tu es devenue rare, toi. La merci. Tu as beaucoup d'enfants ou bien, je ne sais pas, je te vois plus tous ces temps, je ne sais pas dans quoi tu... Je ne sais pas trop ou bien tu es ailleurs, je ne sais pas. Même ailleurs, j'ai regardé, je n'ai pas vu ton nom. Donc, n'hésitez pas d'utiliser mon code promo TapTapSend pour envoyer de l'argent en Afrique. TapTapSend, c'est un moyen rapide et pratique pour tous ceux qui vivent en Occident, c'est-à-dire en Amérique, en Europe. C'est pratique pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller dans les agences envoyer de l'argent. Vous pouvez tout simplement, à travers votre téléphone, dans votre lit, envoyer de l'argent sans bouger avec mon code promo TapTapSend LIONE237. Et quand vous téléchargez la bonne journée. À la prochaine. Quand vous téléchargez l'application TapTapSend avec mon nom, je ne gagne pas. Mais quand vous envoyez de l'argent avec mon nom, c'est là que ça entre dans mes bonus et j'en profite tout simplement. Et ma chouchou pour ma faux, c'est de ça qu'il s'agit. C'est le boulot, ma fille. D'accord, la guerrière, la lionne. Parce que je sais que c'est quand je suis attaquée que tu sors. C'est cool. C'est quand je suis attaquée que tu sors. Je sais très bien. Je ne sais pas si tu es une de mes mamans de la toile ou je ne sais pas trop. Je ne te connais pas, mais je sais que quand je suis attaquée, confiance à toi. Alors, j'ai dit que nous, on ne comprend pas, j'éteins la lumière ici parce que quand on allume ça, on ne me voit pas bien. Alors, je dis que je te dis merci pour ton soutien. Et je suis très reconnaissante envers tous ceux qui m'aiment. Hein, les Papoua Mafo, la guerrière, la Lyon, les FP. Je dis encore un grand merci à FP Avi Magina qui m'a fait gagner le pack de teint parfait Banadège. Vous voyez comment. Dernièrement, il y avait un gros bouton ici qui brillait quand je faisais le direct. Et encore, il a commencé à utiliser la gamme teint parfait Banadège. Maman les Kento Pate déjà. Maman a 3, c'est 4 jours, 3 jours. Ça pas déjà. Maman, la brillance de ça. Je dis que le bouton s'est parti, je n'ai rien compris. C'est ce matin qu'elle dit, hey, ouais, le bouton qui était ici, ça fuit seul. Ça fuit. Parce que quand je me lave, je vais un peu vous démontrer, je vais faire une petite vidéo, vous montrer comment j'utilise le teint parfait Banadège. Avant que ça ne finisse, vous savez, quand on vous offre quelque chose, vous avez quand même un peu fait la pub de ça. Hein? Faut pas qu'on vous voie, vous briller, on ne sait pas qu'est-ce qui vous a fait briller cette période-là. Donc, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment j'utilise la gamme Teint Parfum Banadège grâce à FP Avi Magina, mes doudous de la toile, mes moumous de la toile, mes moumous d'amour. Moumou, je vous adore, mes moumous. C'est-à-dire que je suis tellement fière de vous que je ne sais pas. Ton tap-tap, ça marche en Afrique du Sud. Oui, Cola, ça marche en Afrique du Sud. Eh, maman, si tu m'envoies quelque chose, le mois-ci est sec jusqu'à. Il y en a encore, Seigneur, le mois-ci est dur. Mais maman, vous n'avez pas travaillé le mois-ci. Maman,
Je vais payer le loyer avec quoi? Je vais payer la connexion avec quoi? Aïe, mes gens. Donc, je vais faire une vidéo et je vais vous montrer comment j'ai utilisé pour que mon bouton là puisse disparaître avant le temps. Pour tous ceux-là qui ont des événements au Cameroun, n'oubliez pas de passer dans les boutiques La Diosa Shopping, la référence, la seule boutique qui vend du bon, qui satisfait tous ses clients. Le seul prêt-à-porter sur la toile, qui ne fait pas dans le Japap, mais elle sait comment entretenir ses clients. Le seul shopping au Cameroun qui garde son nom depuis près de 5 ans. Le seul shopping qui satisfait ses clients. La Diosa Shopping. Vous savez que moi, la Lyon, je fais pas dans la peau. Quand moi, vous me voyez, j'accepte m'installer confortablement. C'est pas parce que c'est ma soeur, hein. Ne dis pas que je fais la plupart. Non. Si vous voyez, j'accepte m'installer confortablement avec elle, c'est parce que je sais que elle ne peut jamais décevoir mes internautes. C'est-à-dire que si vous achetez, si vous faites des achats ici, vous n'êtes pas satisfait. Quand vous appelez la Diosa, c'est la seule que parfois même on l'appelle, je lui dis que mais tu as vendu, laisse non. Elle dit que non. Si ça ne va pas, renvoyez-moi la marchandise et je vous renvoie votre argent. C'est-à-dire que elle ne fait pas dans la dentelle. D'accord? Vous savez que moi-même, je ne fais pas dans la dentelle. Le seul shopping que vous pouvez commander vos marchandises, vous êtes sûr que ça va arriver. Maman, regarde le cadeau de la Mafo. Orange Europe de la Mafo Fleur de Lille. Ouais, Orange Europe, oh, maman. Quand elle marche, non, mes gens. Mafo m'a donné ça d'aimant quand j'étais à la maison. Quand elle marche, elle veut me vanter. Même quand elle sort, comme elle invite. Elle fait seulement comme ça, là. Elle pointe comme ça. On dit que maman Langala, elle n'a même pas Orange Cameroun. Elle a Orange Europe. Elle a quelle relation là-bas? Maman, il faut seulement venir me suivre pour connaître mes relations à Orange Europe. Maman, le cadeau de ça. La Mafo m'a donné ça. Elle m'a donné 4. J'ai partagé à plusieurs personnes. J'ai donné l'autre à un DJ là. Je lui ai dit que c'est la Mafo qui m'a offert ça et je te donne ça. Donc le jour où tu vas voir la Mafo, tu lui feras part que non, j'ai rencontré une de tes filles qui m'a offert ça. Je lui ai offert ça. Le DJ là, avant il était au Blue. À la boîte au Blue là, à Aqua. Et je ne sais pas où il est maintenant, mais je l'ai croisé quelque part. Je lui ai offert ça. Il a dit que c'est de la part de la Mafo, Florida. Ça vient depuis Paris. Elle s'est déportée. Elle a voyagé pour venir offrir ça à ses fans au Cameroun. Aujourd'hui, je peux me placer comme ça et manipuler mon téléphone avec fierté. Maman, Orange Europe, on est pas Orange Cameroun. Voilà. Dans mes cœurs, ne dites pas qu'on n'est pas venu vous sauver. Allez profiter des soldes. Chaque samedi à 15h sur la page de la Diosa. Parce que quand on dit que la robe coûte, le sac coûte peut-être 25 000, 35 000, les gens disent que non, il n'y a pas les moins chers. Non. Quand je suis arrivée, j'ai dit à la Diosa que, ok, comme ils sont en train de pleurer les moins chers, quand tu voyages, ramasse aussi les sacs un peu moins coûteux, mais qui est bon. Tu gardes aux internautes qu'eux, ils veulent le moins cher. Elle a compris. Elle a d'abord résisté un peu, résisté. Après, elle a dit que, si c'est que, comme le Cameroun est dur, si ce que tu dis là est vrai, c'est tant mieux. Il faut que je satisfais quand même. Mais tous les clients, même les pauvres, ont droit à la fraîcheur et au bonheur. C'est comme ça qu'elle a commencé donc à importer les sacs moins coûteux, mais bons pour ses clients. Elle a commencé à casser les prix. Grâce à mes doléances, pour commencer à satisfaire les clients qui ont besoin des marchandises un peu moins. Mais la qualité, elle est bonne. Donc ne ratez pas les soldes chaque samedi. Même ce samedi, il y a déjà les paquets pour ce samedi. Voilà. Donc, la Diosa, il faut confirmer hein, pour le rendez-vous de ce samedi. On sera en direct sur la page de la boutique. Bonjour tout le monde. Il y aura les sacs à main, comme vous connaissez déjà, de bonne qualité.
à juste 10 000 francs. Comme là, voilà un Tory Burch qui est arrivé hier. Il y a les couleurs, il y a 5 couleurs. Il sera à 10 000. Voilà. Vous pouvez déjà le payer à 10 000. Mais voilà. Actuellement, il est à 10 000. Regardez la qualité du cuir. Il y a 5 couleurs. Mmh. On peut voir rapidement les couleurs du Tory Burch. Mmh. Viviane en direct. Donnez-moi rapidement les couleurs du Tory Burch, s'il vous plaît. Le donc il y a le rouge, cuir, solide. Il y a le marron, il y a le noir, il y a le vert. Tory, Tory. Venez avec les filles, c'est vrai que j'ai pas trouvé. 10 000 seulement, la qualité est très bonne. Mm-hmm. Vous avez le contact de la Lyon, donne ce que tu trouves déjà, elle cherche le reste. Je veux le Tory Sim, c'est vrai que celui-ci aussi est disponible, mais ça c'est 12 000. C'est bon. Donne tout, non. Donne celui que tu as en main. Il y a la couleur noire, vous voyez la couleur noire, comment c'est joli. Il y a la couleur verte. 10 000 seulement, oh. Maman, les sacs ici, de 20 000. 12 000. Là, c'est 12 000. Le ouais, les sacs de 25 000, on voilà, vous vend à 12 000. Il y a les couleurs. Ici, le vert ici dedans. Le vert ici dedans. Il y a le violet, le tori. Si oui, il y a le violet, vous ne m'avez pas donné. Son violet aussi est beau. Vraiment le violet du tori. Voilà le vert. Maman. Regardez comment le sac est beau. 10 000 francs. 10 000 seulement. 10 000. Il y a une couleur. Il y a la couleur violette. Ici aussi, il y a les couleurs. Il y a les couleurs aussi. Ici, c'est 12 000. Ici, c'est 10 000. N'hésitez pas, si vous êtes dans la ville de Douala, vous pouvez venir directement en boutique. Regardez, les sacs qui seront mis en solde samedi sont déjà disponibles en boutique. Donc, regardez, il a 5 couleurs, pardon. 5 couleurs, 10 000 francs ce tori. Vous pouvez mettre comme ça ou bien mettre la corde plus longue. 10 000 francs seulement. 10 000 francs. Ok. Donc là, vous pouvez mettre en bandoulière. Pour les gens qui sont plus géants. Vous pouvez mettre en bandoulière ou vous pouvez tenir comme ça tout simplement. Il y a 5 couleurs. On vous a dit 10 000 francs seulement. Celui-ci, j'ai dit 12 000. Il y a aussi les couleurs. Le vert, le noir, le rose, le marron, l'orange. Donc, n'hésitez pas à passer au prêt-à-porter en cas de besoin. La qualité est bonne, hein? Parce que quand vous regardez la qualité, voilà. La qualité du sac. La Lyon a dit qu'on doit faire les bons prix pour ses abonnés. C'est ce qu'on essaie et de faire. Elle dit que c'est grave. Celui qui ne va pas profiter, c'est son problème. Hein? Le sac est là, la matière, le bon cuir. Hein? Regarde la couleur noire. Ils vont tous commander le noir. Si on prend ça, le noir, tu vois les couleurs qui sont un c'est peu. Tout est beau. Tout est beau. Okay. Donc, mes cœurs, la Dieu t'a confirmé que samedi. Samedi, à partir de 15h précise, on sera en direct et on va vous faire des soldes comme à l'accoutumée. Ne vous inquiétez pas. Merci. On compte sur vous. Voilà. Je veux remercier les lionceaux Vas-y. Et les abeilles. Merci beaucoup parce que les partages, on les voit. Et on a ressenti la différence dans les ventes. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci. Voilà. Dans mes cœurs, on a déjà renchéri dans l'émission Actualité de la Toile. Restez scotchés. On vous donne rendez-vous samedi. Et merci encore à tous les mamous, à tout le monde qui partage quand ma soeur lance les soldes. Vraiment, elle voit les résultats et elle est tellement fière de vous. Elle ne sait même pas comment exprimer ça. Et à parfois, elle dit que je peux même offrir quoi aux lionceaux et les abeilles et les sympathisants. Je dis seulement que maman, ils sont seulement fiers de voir une jeune fille comme toi qui se cherche. Ils font ça comme ça avec le cœur. Vous savez que chez nous, dans notre bloc, on a instauré genre, on aime pour rien. On aime d'abord pour rien. On aime le travail. Voilà. C'est pour ça que moi, je partage le travail de tout le monde sur la toile, sans condition. J'aime d'abord partager le travail de tout le monde. Parce qu'il faut d'abord aimer les gens. Dans mes cœurs, je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et... Est-ce que je vous ai parlé? Commandez vos mousses vaginales. Hein? Commandez vos mousses vaginales, la Diosa. Vous connaissez les mousses vaginales, non? C'est vrai que samedi, elle a oublié de vous parler de ça. Commandez vos mousses vaginales la Diosa. Si vous voulez faire vos toilettes, si vous voulez vous protéger contre les mycoses vaginales, vous voulez resserrer le couetou, n'allez plus commander les choses qui vont faire 3, 4 jours, 5 jours. Vous n'allez pas avoir le résultat. Voilà ça. Vous déposez au-dessus, ça tue les mycoses.
ça chasse les infections, je sais pas, ça plein d'effets. Elle vous explique tous les jours. Et samedi, elle va encore mieux vous expliquer les effets de la mousse by la Diosa. Pour tous ceux qui ont envie de perdre le ventre, vous avez les thés, la Diosa. Les thés, la Diosa. Donc, passez les commandes de vos thés, la Diosa, ventre plat. Voilà. Ouvrez la porte à la dame. Voilà. Ne dites pas que la lionne ne vous a pas montré. Oh, je vous ai tout montré. Pour les vêtements, vous connaissez. Pour tous les mamans qui sont déjà passées chez la Diosa, vous connaissez ce qu'on fait dans la qualité, les vêtements de qualité et tout. Donc, c'est un peu ça, les chaussures de qualité. Même les chaussures de mariage. Donne-moi un peu les talons ici. Reine, donne-moi les talons blanches là. Même pour ceux qui se marient, qui ont besoin de se marier, qui cherchent les accessoires pour mariage. Coucou maman Lily, maman Lily. Voilà les talons pour se marier. Nous on a tout. Hein. Tu ne peux pas entrer ici que oh, tu veux te marier, tu sors sans trouver ton accessoire. Voilà les talons pour se marier. C'est quel pointu 41. Pointu 41. Voilà ça. La Diosa est rentrée en express avec. Bagage en main. Voilà ça. Les talons pour se marier. Pointu 41. Express London. Voilà ça. On fait dans tout, mais est du bon. Voilà ça. Voilà les talons pour se marier. Hein? Il y a les pointus. Hein? Ne dis pas que oh, je vais rentrer de Mbeng avec mes talons pour me marier au Cameroun. Non, voici ça. Hein? Voici ça. Voilà la qualité. Regardez bien les perles de ça. Ce n'est pas les bracata. Les perles de ça, le détail de ça. Regardez. Le détail. Hein? Voilà, vous comprenez qu'on ne vend pas les histoires. Hein? On n'est pas dans la dentelle ici, là. Même les robes de mariée, il y en a. Regardez un peu comment on a fait Aïe, maman. Bon. Regardez un peu nos mannequins. Quand vous regardez comment, ici, là, vous trouvez tout. Si maintenant, on vous invite à un mariage, on vous donne un thème. Hein? Vous croyez que vous pouvez manquer? Le détail est là. Le détail est là. Hmm? Vous voyez comment celle-ci est habillée. Tu peux seulement entrer même. Si tu as même ta sortie. Merci Claudia. Si tu as ta sortie, tu viens seulement, tu prends tout ça. Hein? Le sac, c'est 10 000 hein? En solde. 10 000 en solde. Chaque samedi. Il y a rouge, il y a noir. 10 000 en solde. Hmm? Nous, on vendait ici là 15 000, 20 000. On a décidé de mettre certaines catégories de sacs en solde pour vous satisfaire. Voilà. Hmm? Tu viens, tu prends comme ça, là, tu sors avec. On va pas. Regardez le chapeau. Hmm? Le style d'abord est là. Vous n'avez pas besoin de voir ça sur les banatalinko et consorts. Hein? Il y a les perruques. Vous voyez les perruques? Voilà les bonnes perruques. Voilà la pixie. La pixie qu'elle vous vendait en solde là. 15 000. 15 000, maman. Bien bouclée. Hein, le cheveu est là. 15 000 francs. Voilà ça. Hein? 15 000. Vous attendez quoi, mes doudous? Vous boudez la Diosa. Vous boudez la Diosa. Hein? Voilà les métissés. Hein? Vous boudez. Voilà l'autre. Ça, là, c'est 20 000. Non, la marron, si. Hein? Vous boudez les chapeaux. Vous boudez les bijoux. Il y a tout, hein? Et que tu veux même te marier, même pour les hommes. Hmm? Tous les tennis, femmes. Voilà les tennis, femmes. Il y a les pointus. Pointus disponibles, tennis, femmes. Tu vas aller faire sport, voilà l'autre. Hmm? Tu commandes seulement, non? Regardez cette belle robe. J'adore cette robe. J'aime la composition de cette robe. Regardez comment. Tu as ton petit cocktail au Cameroun. Tu as besoin de tutuber. Tu as besoin de bavader. Tu viens seulement, tu prends complet comme ça là. On te donne, tu achètes. Complet. Hey, maman Lily dit que bientôt elle se marie avec Mazamo. Maman Lily, tu viens prendre ta robe ici. Il y a tout, hein. Tout. Tout. Si on t'invite même au mariage au Cameroun, ne viens pas avec la robe. Hein. Ne viens pas avec ta robe. Regardez cette magnifique robe. Regardez le tissu de ça. Hmm? Regardez le tissu de ça.
cette magnifique robe. Et moi, écoute, tout se passe au pays. Hein? Tu engendres avec sa ceinture, le sac et tout. Hein? Et regardez cet ensemble, par exemple, bien composé, ensemble rouge, sac rouge, ou alors tu prends, tu portes avec un sac bleu comme ça. Un sac bleu comme ça. Tu vois? Regardez, regardez comment c'est composé. Waouh! Regardez-vous-même. Regardez-vous-même l'ensemble, maman. Hey! Tu viens, tu prends tout une fois comme ça, tu t'habilles avec. On va dire que la benguiste la sort d'où? Avec toute cette composition. Tu prends avec ta petite Louboutin et tout. Regardez-vous-même. Et ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. C'est la qualité, c'est Turquie. Mais c'est moins coûteux. Pas trop cher, en fait. C'est pour les connaisseurs. Et ce sac, vous connaissez que c'est un solde. Dernière pièce, 10 000. La qualité. On va vous expliquer comment. Donc, vous croyez que vous allez encore importer les vêtements. Le chapeau est en solde, 4 000. Les chapeaux que nous, on vendait à 10 000. On vous laisse à 4 000. Il y a les couleurs, il y a plein de couleurs. Hein? Voyez, on a les bons sacs pour les connaisseuses. Voilà. Hmm? Donc, c'est un peu ça, les maillots de bain. Qui connaît la chaîne-ci? Maman, tu as secoué terrain à côté de ton gars avec la chaîne-ci. Le goût de ça. Voilà, alors, les robes de soirée. Oui, il y a les tailles. Les différentes tailles. Il y a les tailles. L'ensemble, là, il y a les tailles, non? Oui, il y a les tailles. Ça va jusqu'à la taille 44. Ça part jusqu'à la taille 44, maman Lily. Il y a les sacs. Quand vous prenez même les maillots, comme ça, il y a les sacs pour les maillots. Vous voyez les sacs pour les maillots. Bientôt, je me marie avec Claude Akam. Tata Soro, sera notre fille d'honneur, n'est-ce pas? C'est bien ça. Vous voyez la diosa? Voilà. La référence. Je vous laisse mes cœurs. On bavarde pas trop. Quand c'est bon, on ne bavarde pas trop. On vous attend tout simplement. Nous sommes bien chargés, bien prêts pour vous accueillir. Voilà, nous sommes à Cholondi. Il y a un peu de touffe, même les boucles. Hein? Ah, quand vous parlez, vous boudez. Les boucles, les chaînes pour se marier, les boucles, tout. Il y a tout. Je te dis qu'avec Claudia, tu dis waouh. Même les petites chaînes un peu, les petites boucles moins coûteuses là, les boucles de 2500, les boucles... Bon, elle fait souvent la solde sur les boucles, hein, je sais pas trop. Regardez les boucles comme ça pour marier vos vêtements, vos cabas, hein, les petits trucs pour marier vos ensembles. Vous voyez un peu, hein? Regardez, vous voyez ça? C'est magnifique. Voilà les broches. Tu achètes une petite robe que tu veux un peu genre, tu veux mentir à tes gens que non. Ça, c'est la marque Yves Saint Laurent. Bam! Tu mets ça sur ça. Qui va venir dire que c'est faux? En tout cas, mes cœurs, je vais vous laisser et on a assez papoté. Prenez soin de vous. Merci, Dora. Mireille, bonjour, la Lyonne. Il y a les ceintures de marque. Bien sûr, il y a les ceintures de marque. Il y a les ceintures de marque. Attends un peu, c'est pas haut. Attendez, je vais vous montrer un peu. Voilà, attendez. Regardez la ceinture ici. C'est une ceinture de marque, non? Il y a les ceintures comme ça. Vous voyez, non? Avec le bon cuir. Hmm? C'est ça que vous appelez ceinture de marque, non? Voilà. Et il n'y a pas seulement ça. Attendez un peu. Attendez, je vais vous montrer les ceintures. Il y a ça. Il y a les ceintures comme ça. Le bon cuir. Vous voyez? Il y en a plein d'autres ceintures. Mais je ne peux pas vous présenter ça maintenant. Si vous voulez voir toutes les marques de ceintures que nous avons, connectez-vous samedi à 15h sur la page La Diosa Shopping. Elle va tout vous présenter. Moi, je suis blogueuse, donc je fais juste la pub et on peut pas aller en profondeur. C'est combien? Les ceintures là, c'est combien? Les ceintures de marque, c'est 10 000 à Valentine. 10 000. Celle que je t'ai montrée sur le mannequin, 10 000. Le bon cuir.
Donc, on vous attend massivement. Prenez soin de vous et à plus tard. On s'occupe des clients.